Thierry, bonsoir. Malgré un bon match, défaite aujourd'hui face à Saint-Étienne, comment tu analyses la rencontre? Je suis très content que tu dises que c'est un bon match. Moi, j'ai pas trouvé que c'était un bon match parce que on se promet plein de choses et on se dit qu'on va gagner les duels, qu'on va être dur sur l'adversaire, qu'on va proposer des courses, qu'on va mettre de l'intensité. Et puis à l'arrivée, on s'aperçoit qu'on s'est fait marcher dessus, quoi. On s'est fait marcher dessus par une équipe de Saint-Étienne qui est prête pour jouer la montée en D1, qui est solide athlétiquement, et puis qui lâche rien, quoi. Nous, on a fait un petit match, je trouve, hein. On a fait un petit match entre copines le samedi après-midi, quoi. Gentillet, voilà, sans trop se parler, sans encourager ses partenaires, sans corriger ou rappeler parce qu'on a besoin d'aide. Ou enfin voilà, j'ai pas senti un état d'esprit d'équipe qui voulait gagner ce match, qui voulait faire mal à l'adversaire. Donc, ce sera donc pour la semaine prochaine face à Marseille, remobiliser les troupes. Ouais, mobiliser les troupes, mais nous, de toute façon, on est toujours mobilisés, hein, nous. Le staff, on est mobilisé. Les joueuses, malgré tout, les joueuses avaient envie de le jouer ce match, mais j'espère qu'il servira. Il servira pour la semaine prochaine. Et j'espère que la semaine prochaine, bah, ils attaqueront le match autrement qu'ils ont pu le faire là, en subissant. Voilà. Il faut pas subir, faut pas les regarder. Vous savez, j'ai pris l'exemple de Renard, la mi-temps du match de l'Arabie Saoudite, quand il dit à son défenseur, tu veux une photo de Messi? Bah, c'est pareil. Nous, on a l'impression qu'on les a regardés en première mi-temps et qu'on les a respectés. Mais il n'y a pas à respecter qui que ce soit. Tu joues, tu fais ton job, tu fais mal à l'adversaire. Quand je dis mal à l'adversaire, c'est pas mettre un tacle à la carotide. Hein. C'est pas ça. Hein. Mais tu fais mal dans les impacts. Tu fais mal dans les impacts. Voilà. Merci. Lala, bonsoir. Malgré une défaite, tu es revenu dans le groupe. Comment tu analyses ton match? Bah, je suis rentrée vers la 22e minute, donc c'était très difficile de rentrer dans un match comme ça. C'est un match avec beaucoup de combativité et je pense que j'ai fait une bonne rentrée, mais voilà, malgré la défaite. Saint-Étienne nous a posé des problèmes, vous avez quand même fait un bon match. Oui, bah, première mi-temps, c'était assez mitigé, on va dire. Deuxième mi-temps, on a su relever la tête. On n'était pas assez combative, mais maintenant il faut lever la tête et passer à la semaine prochaine contre l'OM. À titre personnel, tu as marqué 3 buts avec l'équipe 2, tu as marqué la semaine dernière en Coupe de France, un beau match aujourd'hui, la confiance revient. Oui, c'est très important d'être confiante pour le prochain match. Donc maintenant, je vais me concentrer sur l'OM et puis rester sur cette bonne positivité. Merci. Merci.